Il est aux alentours de 16h hier, quand les gendarmes sont alertés d'une rixe sur la voie publique, devant ce collège de Saint-Chéron. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils trouvent au sol une adolescente blessée à l'abdomen. Des premiers éléments recueillis auprès des témoins présents sur place. Une bagarre avait éclaté avec des jeunes de Dourdan, âgés de 14 à 18 ans. Ils étaient vêtus de noir et portaient des capuches. L'un d'eux avait sorti un couteau et poignardé la victime au niveau du ventre. Les jeunes avaient alors pris la fuite. La jeune fille est transportée en urgence à l'hôpital. Elle décède des suites de ses blessures quelques heures plus tard, à tout juste 14 ans. Suite à son agression, 6 jeunes sont placés en garde à vue. Ils sont âgés de 13 à 16 ans. Les investigations mettaient en évidence que les 6 mineurs placés en garde à vue avaient pris les transports en commun pour venir en découdre à Saint-Chéron dans un contexte de rivalité entre bandes. Les premières auditions permettaient de retrouver l'arme du crime. Il s'agissait d'un Opinel. L'un des mineurs admettait son implication dans le coup mortel porté à la victime. Née à Dourdan, une ville voisine, l'adolescente y était scolarisée en classe de 3e et faisait l'objet d'un suivi éducatif par un juge des enfants. Mais comment s'est-elle retrouvée impliquée dans un affrontement entre bandes? Pour ceux qui la connaissaient, c'est un choc. Le ciel est tombé sur nous, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inouï, quoi. Une jeune de 14 ans qu'on connaît, on a vu une lettre, d'une gentillesse énorme, il n'y a même pas deux jours, on parlait avec elle, elle respecte tout le monde, c'est vraiment, on ne comprend pas, quoi. C'est la petite sœur des filles que je connais, c'est une fille qui ne demande rien à personne, elle est dans la rue, elle ne casse pas les pieds à personne. Comme tous les petits d'ici, ils ne cherchent pas non plus les problèmes. Pourtant, à Saint-Chéron, petite ville d'apparence tranquille de 5000 habitants, les tensions entre groupes de jeunes sont connues. Cet homme a assisté à des altercations. Et c'est vrai, on va dire au moins une bonne fois par semaine, quoi. Et c'est vrai, c'est souvent à la guerre, etc. Donc ouais, c'est assez souvent. Que ça fait déjà un petit moment que ça a commencé. Et c'est souvent des jeunes qui viennent d'autre part que Saint-Chiron, qui viennent faire des embrouilles ici. Donc je dirais pas qu'on a l'habitude, mais bon, là que ça en arrive là, ouais, c'est la première fois. Face à cette montée de la violence, le président du département en appelle à l'État et demande plus de moyens. Le département de l'Essonne agit, il est responsable des collèges. Nous avons vidéo-protégé l'ensemble de nos établissements. J'ai recruté 135 éducateurs spécialisés pour être sur le terrain, éviter que les jeunes ne basculent. Mais nous avons besoin de moyens de la police, de la justice. Parce qu'aujourd'hui, le drame, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Et quand il n'y a pas de sanctions, les jeunes, malheureusement, continuent à aller un peu plus loin, toujours plus loin, jusqu'à des situations aussi dramatiques que celles que nous avons connues hier. Ce soir, en déplacement à Dourdan, le ministre de l'Intérieur annonce des renforts. Dès ce soir, j'ai demandé à une centaine de policiers et de gendarmes supplémentaires de venir dans le département pour que les choses puissent s'apaiser, qu'il ne puisse pas y avoir de répliques ou de confrontations nouvelles et de préparer la rentrée scolaire dans la plus grande sécurité. Une réunion avec les préfets d'Île-de-France est également prévue en fin de semaine. Les rixes entre jeunes, un phénomène très francilien selon Gérald Darmanin. 70 bandes sont recensées dans la région parisienne.